Coucou, c'est Isa du 33. Ah, je suis un peu basse aujourd'hui. En fait, c'est pas grave, on s'en fout. J'espère que tout le monde va bien. Ça, c'est très important. Je tenais à remercier tous mes abonnés, toutes celles qui me laissent des messages, Nathalie, etc. Marilyn, j'ai Carole. Enfin, j'espère que je vais oublier personne. Je trouve ça vraiment, vraiment très, 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 très gentil. Donc là, je suis en train de voir pour faire un, vous savez, une espèce de concours. Je voulais vous faire gagner des trucs. Alors sur YouTube, c'est interdit. Donc j'essaye d'ouvrir une page Instagram. Mais bon, vous me connaissez. Je suis la nana qui n'aime pas trop se prendre la tête. Donc je regarde un peu à droite à gauche comment on va fonctionner. Et je tiens absolument à faire ce concours et à faire gagner mes abonnés. Ça sera du make-up. Il y en a plein que j'ai pas ouvert. Il y en a plein qui sont tout neufs. Donc je vais faire un tout petit colis. Et j'espère bien comprendre. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Si je n'y arrive pas sur Instagram, ben à ce moment-là, je vais ouvrir une page Facebook. Isa, tout simplement, on mettra. Et puis, je vous inviterai à venir dessus. Et à ce moment-là, on fera le concours, enfin le concours, ce jeu. Ouais, on fera le jeu et je vous mettrai du make-up. Et puis, j'ai deux, trois bricoles, enfin bon. Je vous présenterai tout ça. Bon, bref. Donc, je suis allée à... Alors, on va faire action. Action. Je suis allée parce que j'ai pété mon seau. Donc, à l'origine, je partais pour un seau. Mais vous savez très bien, mesdames, que quand on part pour un seau, dans ce genre de magasin, on revient avec autre chose. J'ai pris ça. Regardez s'il est beau. C'est un dessous de table. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, comme je suis tout le temps, moi... en train de mettre des trucs là pour protéger mes nappes parce que je bricole pas mal. J'ai trouvé ça très joli. Vous avez ça et vous avez aussi avec des crayons de couleur dessus. Il n'y a que deux, enfin celui de Cavignac, il n'y a que deux décors. Hein. Alors vous savez qu'on est dans l'attente des petits fauteuils en imitation donc d'un avec la petite armoire et trois petits tiroirs pour ranger dedans. Moi je n'ai trouvé que la boîte. J'ai pas trouvé le petit fauteuil. Et je vais être très aux aguets pour ce petit fauteuil. Il est mais super joli, quoi. Et je vais le mettre sur ma petite table, ça me fera changer de déco. Mais franchement, j'adore, je kiffe. Vous l'avez en bordeaux, comme ça, et vous l'avez en noir. Moi, je vais prendre bordeaux. Je veux pas de noir, ça va. J'ai pris ça parce que j'ai retrouvé un trèfle à quatre feuilles dans un bouquin, mais alors bêtement. Je l'ai plastifié à la plastifieuse d'action qui fonctionne très bien. Je l'avais vu pour 9,90€, que dalle, alors qu'à Lidl, elle est à 15 ou un truc comme ça, je ne sais plus, en promo. Je l'ai plastifié donc avec une feuille noire que l'on trouve, vous savez, dans les calepins à action. Et je vais en faire un pendentif. Donc je pense que je vais prendre celui-ci, parce qu'il est assez grand quand même. Vous savez, c'est les trèfles qui vendaient un temps à faire pousser à la maison. Moi, j'avais pris ça. Je ne vous ai pas dit le prix de la boîte, mais je ne sais pas du tout, en fait. Je crois qu'elle est dans les 4€. Je crois que... Alors, le seau, il est à 2,69€. Et donc, le coffret, voilà. Ah, ben même... Le coffret à bijoux, il est à 2,95€. Ensuite, mesdames, vous savez que j'ai la fontaine avec le lotus. Et nous, on n'avait toujours pas eu celle-ci. Elle est belle. Hein. Donc, celle-ci, je l'ai pris. Et je crois que la fontaine, elle est à 4,95€. Hein. Non, 4,69€. Les deux. Celle avec le lotus et celle-ci. Hein. La lotus, moi, j'avais pris il y a un petit moment. Alors, j'aime bien aussi. Alors, j'ai pris celui-ci, organisateur. Moi, j'ai pas pris l'autre, là. Vous savez, qui se détache en plusieurs morceaux. C'est un peu le bordel, j'aime pas. J'aime pas les trucs. Moi, il faut que ce soit tout collé. Voilà. C'est dans le rayon maquillage, vous savez, tout en bas. Hein. C'est pas mal pour ranger. Donc, moi, ça va être... Bon, pas le maquillage, mais c'est pour ranger ma petite merdasse, comme je vous disais, que je fous partout. Donc, il va y avoir mes crayons, voilà. Les fameuses lingettes, elles sont en promo. Elles sont à 69 centimes. Elles sont super. Moi, je vous les conseille.
Elles sont en bout de, en tête de gondole en promo. Je vous le conseille. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraiment humidifiées. Et même une fois que vous avez ouvert, ça reste. C'est pas comme les autres, vous savez, celles qui sont jaunes, elles sont un peu plus larges mais jaunes. Je les aime pas. Elles ont pas ce truc d'humidité. Bon, j'ai repris du coton. Forcément, on en a tous besoin, hein, de coton. J'en avais pris deux paquets. Il me semble que j'en vois plus qu'un. Enfin, on s'en fout. Il est par là. Bon, la laine, hein, comme vous savez, je suis en train de me faire une très grande liquette et j'ai toujours peur d'en manquer, donc j'en ai repris deux. Par contre, j'ai voulu prendre la fine, là, de toutes les couleurs. Je voulais me faire un truc comme ça, ça aurait été joli, hein, de toutes les couleurs. Par contre, 3 euros. C'était votre vie en fait. Et même au niveau du grammage, je la trouve pas épaisse. Moi, je sais pas, je trouve que c'est quand même relativement. Enfin, moi j'ai trouvé cher. J'ai repris ça. D'abord, non seulement j'y suis très bien dedans, je suis en surpoids. Donc je prends XL ou XXL, sachant que vous savez que Action, taille, c'est des tailles, c'est très large. Hein. Si vous êtes fine, prenez du S, quoi. Parce que même si vous faites du L, le L est large. Hein. Puisque moi-même, je le mets alors que je fais du 48, mesdames. Hein. Donc, je ne mets pas du L, hein, le XL. Hein. J'ai pris celui-ci pour faire... Alors, il est biseauté. C'est pour faire mon eyeliner. Alors, j'en ai pris deux. Parce que pendant qu'il y en a un qui séchera, et bien, il y aura l'autre... je pourrais me servir de l'autre. Hein. Bon, j'ai toujours repris mes piles, puisque vous savez qu'ici, tout... Ce que j'ai d'ailleurs, c'est pas normal. Moi, je les ai changés, je crois, il y a 3-4 jours. Parce que toutes les fontaines que j'ai, tous les trucs que j'ai ici, ça marche à pile. Et c'est vrai que le soir, je mets ma petite lampiote qui donne dans les violets et j'allume tout. Ceci étant dit, des fois, je vais au lit, je laisse allumer. Donc, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Bon, ben, écoutez, ils refont les masques. Hein. J'en ai repris. Vous savez que j'aime la couleur. Donc ils font ce rose, je ne l'avais pas, il n'y en a pas d'autre. Du vert pour quand je m'habille en vert. Et j'en ai pris deux verts parce que pareil, il n'y avait pas... Et moi, c'est les seuls que je supporte. Figurez-vous que j'ai du mal avec ceux en papier. Alors s'ils nous imposent que ceux en papier, mais moi j'ai dans la merde. Je vous dis, mesdames, je ne les supporte pas. Enfin moi, mais j'aurai ceux-là. Alors regardez cette belle bougie. Elle est magnifique. Avec un. Donc, alors, j'ai des bougies, j'en ai partout. Je kiffe les bougies, j'adore les bougies. Celle-ci, je ne vais certainement pas l'allumer. Ceci étant dit, même si je l'allume, je pourrais. Oh là, vous voyez pas. Même si je l'allume, je pourrais en remettre une dedans. Elle est vraiment super. Hein. Elle est sous verre. Hein. Moi, je la trouve magnifique. Elle est un peu chère. Il me semble qu'elle est dans les. 3 euros et quelques, le coffret, je vous l'ai dit, hein, de toute façon, voilà, là, mince, je trouve, la bougie, la fontaine de table, je vous l'ai dit, bon, les piles, bon, vous savez, les t-shirts, ils sont à 7 euros, 6,58 euros, mais ils sont super, parce que moi, j'en avais déjà pris il y a 3 semaines, pour Fabrice, là, ils sont thermo... il vous protège du froid en plus, et comme le froid arrive, mais j'avoue que j'y suis vraiment très très bien dedans, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je ne retrouve pas, bougie parfumée dans cloche vert et bois, oui elle est à 4 euros. Effectivement, elle est un peu chère, mais elle est jolie, donc on s'en fout. Donc voilà, vous voyez, il n'y avait que un XL, donc un XXL, et après j'ai pris un XL. Donc je sais pas, il y en a un qui va aller à Fabrice et un à moi de toute façon. Ah, mais tenez, j'avais encore un rose. Moi j'en ai des tonnes parce qu'à chaque fois que je passe, j'en prends. Parce que vous savez très bien que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Toujours pareil, hein, c'est pour Roméo, vous connaissez Roméo maintenant. Alors là derrière, c'est pas Roméo, c'est Chanel. Chanel! Même pas, je crois que c'est Kaline. Je n'avais pas le. Je les reconnais aux yeux. Il y en a une qui a l'œil bleu et vert et l'autre qui a les deux yeux bleus. Mais ça, c'est Kaline. Ouais, ça, c'est Kaline. Donc, ça, c'est pour mon petit roman d'amour. Et alors, on va finir par. Alors, j'ai pris celui-ci. J'aime. Alors, c'est bête, on voit pas bien, mais il est d'un rouge vif. Vraiment. Comme j'aime ou rouge vif ou noir.
Et celui-ci, il est plus sur les tons de... Ah, mais vous, il vous fait marron. Mais moi, il me fait pas marron, il me fait bordeaux... Ah, mais mince, alors. Vous en êtes sorti dans quel état? Bon, mais écoutez, attendez, on va l'ouvrir. Ce mois, il me faisait bordeaux foncé. Puis là, je viens de voir marron. Alors que le marron, c'est pas mon... Non, non, bordeaux foncé. Mais vous, il vous fait marron. Bon, mais écoutez. Non, non, il est bordeaux foncé. Donc voilà pour ce petit haul d'action. Donc j'ai celui-ci que je vais certainement faire assez rapidement. J'adore ça. En maquillage, alors moi je l'avais jamais vu celui-là, c'est un bourgeois, ils disent volume, je ne l'ouvrirai pas parce que je vais finir celui que j'ai là, pareil action, alors pas le jaune, je n'aime pas le jaune, tout le monde aime le jaune, moi je n'aime pas, franchement le jaune pour moi d'abord il pue, il tient pas et si vous en mettez ça vous fait des paquets, je n'aime pas du tout le jaune, pas le jaune fin, le jaune vous savez qui fait un petit peu ovale, là. Je l'aime pas, je l'ai jeté tout. Donc moi je me suis pris celui-ci, bah, c'est des trucs que j'ai pas en fait. Et niveau maquillage, après j'en prends plus parce que j'en ai des tonnes, ça, c'est n'importe quoi, donc non je n'en prends plus. Donc ça c'était le haul, on va le finir avec, avec celui-ci, c'est tout ce que j'avais pris, mais ça date de la semaine dernière. Ouais, c'était pas d'aujourd'hui. Donc voilà, donc j'avais pas, donc j'avais pris, voilà, j'ai pris celui-là, je vais faire celui-ci. Et j'en avais un autre, il me semble. Mais je ne le vois pas. Non, mais je ne le vois pas. Mais j'étais sûre d'en avoir pris plusieurs. Non, je ne le vois pas. J'étais persuadée. J'ai pris une planche. Hop là, comme ça. Alors, ce que vous faites quand vous faites des bracelets, vous pouvez mettre vos ficelles ici, là. Pincé, ça vous tient, vous pouvez donc faire vos macramés, etc. Moi, c'est, il va me servir à ça, il ne me servira pas de support. Quoi. C'est vraiment pour lorsque je fais mes bijoux. Parce qu'à chaque fois, je tiens un peu n'importe comment et je me suis dit pourquoi pas essayer avec ça. Après c'est vraiment. Voilà, après, c'est génial, c'est mignon. Vous avez. excusez-moi. Vous avez la trousse qui est assortie à ça. Alors la trousse, elle fait bien dans les 17, 19, 20, même 20, 20 cm. Vous pouvez y mettre dedans vos tablettes. Moi, j'ai pris pour ça parce que je m'en vais chez ma fille. Donc, c'est pour mettre des tablettes. J'ai enfin trouvé le tampon. Alors évidemment, je ne vais pas m'en servir pour tamponner des dessins. Moi, ça va être pour essayer de faire des dessins sur mes ongles. Vous savez, quand elles font en dégradé, c'est sur plusieurs couleurs. Donc moi, je vais essayer. J'ai repris, donc, mais oui, j'en mange. Il faut que je le teste à Yuka parce que j'ai été très mécontente là dernièrement par rapport justement à Yuka. Bon, mais des soquettes, elles sont super. Pour celles qui ont des problèmes comme moi de circulation ou quoi, elles ne vous servent pas trop et elles sont en dessous de la cheville. Donc moi, je les conseille. Parce que bon, c'est pas ça, c'est autre chose. Il y a toujours un truc. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, je mange beaucoup, beaucoup de labello. Donc j'ai pris celui-ci aussi. Alors tout ce que je vous ai montré, c'est au niveau labello et tout ça, c'est dans les 2 euros. La tablette. C'est pas ce ticket, il est bien grand ce ticket pour 3 euros. Ah non, il est là. Les soquettes, donc 1,69€. La planchette à pince hein, que je vous ai montré, elle est à 1,59€. Et les mix bijoux, bon, mais ça, je vous l'ai dit, hein, c'est 16€. Et j'avais pris ça. Je les ai pris vides, 59 centimes. Parce que bon, moi je l'ai rempli avec des plantes, des perles, enfin voilà, lorsque je m'embête. Je vais vous faire une vidéo de tout ce que j'ai acheté en high-tech et tout vous montrer. Je trouve que c'est important vous dire ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est merdique ou pas. Voilà, mesdames, j'ai essayé d'être très rapide. Je fais un petit peu. Voilà.
Parce que 14 minutes, c'est quand même très long, je le conçois. Pour celles qui connaissent Saint-André de Cubzac, qui sont par chez moi, j'ai été à Folie Cosmétique, donc j'ai repris du gel. Et j'ai pu, avec du gel, de quoi me refaire les ongles tout simplement. Hein. Donc il est là. Non, il n'est pas là, il est où? Ah, il est là. Donc j'ai pris celui-ci. Alors c'est du gel fibre, de toute façon on s'en fout, du gel reste du gel. J'ai repris des capsules parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de capsules. Et toujours pareil, hein, des labellos, puisque comme je vous ai dit, je les mange. Après ça traîne et je les jette. Et je vais essayer ce vernis. Alors ça attention, hein, c'est Folie Cosmétique, hein, ainsi que le blanc. Les vernis sont à 2 euros, vous avez des promos, deux vernis achetés, un offert. Et c'est tout. Moi j'ai ma carte. Bon, alors le gel, bon, vous savez que c'est quand même un peu cher. Je crois que je l'ai eu pour plus de 10 balles, hein, même un peu plus. Hein. Je ne me rappelle plus. Et puis évidemment, je n'ai pas le. J'aurais aimé vous le dire, mais je n'ai pas le. Ah si, je vais vous dire. Le gel, je l'ai payé 15 euros. Comment vous allez aujourd'hui? 15 euros, je me demande si je ne l'aurais pas eu moins cher sur Internet. Après, il faut regarder les frais de place. Je vais faire mon petit calcul, je vais voir la composition, enfin, la quantité, je vais regarder tout ça. Bon, allez, je vous laisse peinarde, les filles, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je fais de gros bisous à tous mes abonnés. Comme je vous ai dit, on va faire ou une page Facebook ou Instagram, mais j'aimerais vous faire gagner plein de trucs, dont des petits bidules, voilà, tout ce que j'ai pas ouvert. Et il y en a. Bisous tout le monde, c'était Isa du 33. Hop là.